Le bonjour à tous et toutes les militants bretons indépendantistes et de gauche. Comme en Bretagne, nous aussi au Pays Basque, nous travaillons pour les travailleurs travailleuses et pour construire une Europe de pays souverains, sous le slogan « Les peuples décident ». Je suis Elorie Aline et même si je suis du nord du Pays Basque, je fais partie des H.E. Bildu, qui est une coalition du Pays Basque Sud. Paris nous met les bâtons dans les roues pour se présenter dans ces élections européennes, ainsi qu'en Bretagne ou en Corse. Comme en Bretagne, nous voulons être représentés en tant que pays. Dans notre cas, nous défendons les 7 provinces. Mais malheureusement, nous ne le pouvons. Alors par ma participation, nous représentons tous les citoyens du Pays Basque. Nous voulons dénoncer Paris qui va contre notre langue, contre les langues minoritaires. Mais aussi pour montrer les obstacles mis par Paris pour construire une collectivité territoriale. Comme l'Écosse et la Catalogne, nous défendons le droit de décider en Europe. Pour ces élections, grâce à la solidarité, nous participons avec la Galice, Asturias, Aragon et les îles Canaries. Notre candidature a deux buts. Avoir l'aide de l'Europe pour continuer dans le processus de résolution du conflit du Pays Basque. Depuis 3 ans, les prisonniers sont toujours loin. Je veux utiliser ce message pour faire un salut aux prisonnières femmes qui sont en Bretagne. Nous les voulons à la maison. Je voudrais vous remercier aussi pour la solidarité que vous leur donnez. La NPA appelle à la manif du 14 juillet, qui sera pour les prisonniers et les réfugiés du Pays Basque, qui se déroulera à Bayonne. Le deuxième but est que le Pays Basque ait le choix de décider. Nous voulons un État dans l'Europe, mais pas n'importe quel État. Un État qui prend en compte les droits des personnes et des travailleurs travailleuses. Nous voulons construire une Europe des pays et des citoyens libres, et non un instrument macroéconomique qui construit une Europe, un aéroport Notre-Dame-de-Lande ou la TGV. Nous voulons des transports publics gratuits et viables. Au final, votre combat et le nôtre sont semblables. Le cœur à gauche, nous défendons la justice sociale. Nous voyons l'Europe comme un élément de lutte. Nous savons qu'on peut compter sur vous pour construire le monde qu'on rêve. Dès aujourd'hui, en construisant des alternatives. Devant une Europe marchande, nous nous basons sur les services publics, les droits sociaux et la révolution démocratique. Vive les pays libres d'Europe, vive la solidarité entre les travailleurs.